On a vraiment de la chance, il était vraiment pas censé faire beau de toute la semaine. Et là, il fait tellement beau. Donc là, je vais rejoindre Joseph. On va prendre un verre et ensuite on va au musée ensemble normalement. Monsieur ici présent m'a acheté un cadeau pour mon anniversaire et je vais le mettre maintenant, juste pour qu'il ait honte de moi dans la rue et qu'il ait honte de m'avoir acheté ce t-shirt. Tu peux lire ce que tu m'as offert. Les mecs bien existent encore, je le sais parce que j'en ai un. Il pique des colères, il est allergique au con, mais il en sait plus que ce qu'il ne dit, il pense plus qu'il ne parle et il remarque plus que tu l'imagines. Il m'aime à la folie, et si tu m'embêtes, tu cogneras le visage très fort. Oui, il m'a acheté ça. Et c'est moi. Quel enfer! On va vous raconter une histoire. Ça s'appelle Bordelic Boy. C'est très mignon comme histoire. Le Bordelic Boy est un mec universel. Il ne met jamais de savon dans sa vaisselle. Ses fringues lui servent de serviette et de rideau. Jeune galère, il aime se lever tard pour se coucher tôt. Afin de pas perdre ses casquettes, il les met dans le frigo. Comme ça, il garde les idées fraîches. Pas de passage. C'est pas se faire aimer. Si t'es pas honnête, pas très organisé. Si depuis que t'es né, tout le monde te jette sur le pas. Toi t'es le bordelic boy. Aime sa bordelic girl. La bordelic girl est une fille un peu à part. Elle a peur des miroirs, elle ne s'habille que dans le noir. Elle aime Brad Pitt, mais uniquement pour son rôle dans Babel. Elle ne se trouve jamais belle, ne connaît pas le string ficelle. Ses parents sont un peu inquiets, ils ont peur qu'elle soit lesbienne. Ils ont demandé des cachets antillais chez la pharmacienne. Leur vie est queer, elle skate et compte les arbres dans la forêt. Personne n'y parle mais tout le monde la connaît. Bordelic girl ne sait pas se faire aimer. On est sorti du musée, on est en train d'aller prendre un verre avec Joseph et je vais vous montrer ce qu'on a acheté parce que vraiment trop bien. Ça c'est mon petit porte-clés. Ça c'est moi et ça c'est Jojo. Et ça c'est le sien. Et ça c'est moi. Et ça c'est Jojo. J'ai offert un cadeau à Joseph pour son anniversaire qui était le 1er septembre. Je vais vous montrer, il va les mettre. Mais quel style! Vraiment, quel homme! Quel homme! Ce bol-là est en nachos. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini le guacamole, on peut le manger. Et normalement, Joseph le mange. Bon, fin de journée, j'ai oublié de filmer une fin, donc je vous la filme là, juste avant de dormir. Demain, je rentre à Rouen, et puis on va bien s'amuser à Rouen, parce que j'ai plein de trucs de prévu à Rouen. Allez, demain. Ciao.